Bonsoir tout le monde. Juste pour vous prévenir que vous êtes en ligne. Merci. Merci Alexandre. Nous sommes en direct, Madame la Présidente. Alors, quand vous êtes prête, on pourrait commencer. Merci. Donc, reprise de la réunion publique au du Conseil. 5. Audition des contribuables, délégation. 5.1. Présentation des services. 5.1.1. Camp d'été virtuel de la 84e à la 6e année. Monsieur Blais. Merci. Donc, vous vous souviendrez au printemps dernier, là, quand vous parlait de la popularité de nos cours en ligne et les camps chez les plus jeunes et les cours virtuel au palier secondaire. Donc, on est fiers et heureux d'accueillir ce soir Roxane et Carole qui vont pouvoir nous donner un aperçu de comment ça s'est vécu et du nombre d'élèves que nous avons réussi à desservir. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on procède avec ce qui s'est passé dans les camps virtuels de la 4e à la 6e année. Donc, je vais céder la parole à Roxane. Merci, André. Bonjour tout le monde. Je voulais juste savoir, est-ce que
Habituellement, le visuel, vous l'avez tous, donc la présentation en mode PDF, c'est ça? Non. Je crois que Chantal va afficher. Je peux afficher mon écran aussi, si c'est plus facile. Merci. Parfait. Excellent. Donc, un instant. C'est juste que je ne vois plus ma présentation parce que c'est devenu un grand plan. Juste un instant, s'il vous plaît. Donc, bonjour tout le monde, je me nomme Roxane Ott, je suis direction adjointe de service au niveau du service de la programmation, puis cet été, j'ai été direction d'été, direction du camp d'été virtuel pour les élèves de la 4e à la 6e année. Donc, troisième diapo, s'il vous plaît. Donc, comme André a discuté tantôt, il y a eu un grand nombre d'élèves qui ont voulu faire le camp et en général, on a pu accepter 529 élèves qui ont fait 23 classes de la 4e à la 6e année. Donc, il y avait 23 enseignants, il y avait 5 enseignants ressources, 5 aides-enseignants pour composer l'équipe EED. Il y avait moi-même à titre de direction de camp virtuel, puis il y avait une conseillère pédagogique avec une expertise en technopédagogie ainsi que l'appui de l'administrateur, donc du côté technique. Merci. Donc, c'était un camp de 3 semaines qui a commencé la première journée après l'année scolaire, donc le premier lundi quand les élèves étaient en vacances. Ces 3 semaines-là étaient composées de 4 jours semaine. Tous les matins, les élèves étaient en ligne avec leur enseignant de 9h30 à 12h30, le lundi, mardi, jeudi, vendredi de toutes les semaines. Le mercredi, les élèves n'avaient pas d'école. Alors, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, Alors, on est rendu à celle avec... oui, bravo, merci. Donc, on avait vraiment mis l'accent sur la littératie et la numératie parce que c'était de poursuivre les apprentissages des élèves, qui était l'intention, la première intention. Puis aussi parce qu'on voulait que les élèves aient du plaisir, c'était leur camp d'été, on s'assurait que dans toutes les planifications, il y avait des expériences par le jeu. Les élèves vivaient un camp d'été qui était le fun, qui était plaisant et qui était parsemé de nouveautés technopédagogiques. Tout au long du camp, on a voulu aussi mesurer l'impact de ces initiatives-là. Quel a été l'impact sur l'apprentissage des élèves? Donc, c'était nos mandats. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Afin que le camp puisse justement suivre ces mandats-là, on a établi un programme. Puis le programme était composé des apprentissages essentiels en littératie ainsi que des apprentissages essentiels de numératie. Quand vous allez avoir la présentation sous la main, vous pouvez cliquer sur les liens, puis ça va vous mener à ces sections-là du programme qu'on avait décidé pour tous les élèves du camp. Puis pour gérer un petit peu l'idée qu'on avait toutes sortes de cohortes qui étaient nouvelles ensemble. C'était des élèves qui provenaient de toutes les écoles du conseil. Ce n'était pas leur enseignant qui avait l'habitude de voir. On voulait créer cette communauté d'apprentissage-là en ayant des thèmes qui étaient rassembleurs. Donc, pendant la première semaine, tout le monde avait le même thème, deuxième semaine, troisième semaine aussi. Puis, il y a eu toutes sortes d'activités où les élèves ont fait les mêmes types d'activités ensemble, puis ça a créé ce noyau communautaire-là. Donc, vous allez pouvoir voir ça avec les liens. Pour aider le personnel du camp, on a créé un site web où ils pouvaient trouver toutes les informations. On a eu quelques jours de formation ensemble, puis les formations étaient là-dessus aussi. Donc, ils pouvaient trouver les horaires, les listes d'élèves, ils pouvaient trouver leur programme, les évaluations, etc. Donc, un site web où toutes les informations étaient placées. Puis, encore une fois, ce site web-là, c'était pour le personnel et non pas pour les parents ou les élèves, mais ça aidait le personnel à tout le monde à avoir la même philosophie puis le même mandat. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, on a procédé avec un avant, un pendant et un après. Même si le camp était très rapide, on a commencé le camp avec une évaluation diagnostique pour tous les élèves. On voulait voir où étaient rendus les élèves en littératie, en français, puis voir où étaient les élèves en maths avant qu'ils commencent le camp. Puis après ça, notre enseignement a été en fonction de là où étaient rendus les élèves. Puis à la fin du camp, on a essayé de voir où est-ce qu'ils étaient rendus. Donc, on a fait une évaluation ou un test de début, puis de fin pour comparer les résultats. Prochaine étape, s'il vous plaît.
Donc, ce qu'on a vu pour les élèves de quatrième année, c'était d'excellents progrès. Donc, même au niveau de 3 semaines, on a vu des améliorations en littératie. Plusieurs élèves ont amélioré leurs compétences à l'intérieur de ces 3 semaines-là dans les deux domaines. Puis, par rapport à la prochaine diapo, pour les élèves de cinquième année, on a vu aussi d'excellents progrès en littératie. Puis, on a vu aussi un certain besoin en mathématiques pour revoir des concepts qui étaient en lien avec le nombre naturel. Peut-être les élèves avaient besoin de plus manipuler des objets pour mieux comprendre ces concepts-là. Mais on a fait la mesure avant et après. Et la prochaine diapo, ce sont nos élèves de sixième année. On a vu d'excellents progrès en littératie et en numératie. Donc, on a pu prendre des mesures. Les élèves ont pu nous montrer qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire au début. On a fait des ajustements de l'enseignement. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient besoin? Puis à la fin, on a fait une mesure, voir où est-ce qu'ils étaient rendus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, tantôt, je vous ai parlé de l'approche technopédagogique. On voulait ajouter des éléments innovants. Comme vous le savez peut-être, il y a un nouveau programme cadre de mathématiques qui venait juste de sortir. Puis notre conseillère pédagogique qui travaillait avec nous, elle a une grande expertise en mathématiques. Elle a fait aussi plusieurs démarches pour enseigner aux enseignants le codage, pour qu'eux autres ils puissent prendre le programme de codage puis l'enseigner aux élèves. Donc, on a commencé à explorer ça avec les membres du personnel. Prochaine diapo. La façon qu'on l'a fait, c'est qu'on a voulu que ça ait un sens pour les élèves. Donc, on a parlé pendant toute la troisième semaine de la présence des robots dans notre vie de tous les jours, comment les robots sont au service des humains, comment on s'en sert dans des situations un peu plus dangereuses ou pour nous faciliter la vie. Puis dans chaque machine, dans chaque robot ici que vous voyez, il y a un code qui le fait fonctionner. Donc, on ne voulait pas juste enseigner le code comme quelque chose qui était déconnecté de la vie, on voulait donner un sens. Donc, les élèves ont tous eu une semaine sur comment la robotique et le codage ont un impact direct avec nous autres. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Puis comme avec les mathématiques et le français, on a voulu demander aux élèves avant et après la semaine de codage comment ils avaient vécu ça. Donc, on a fait un sondage avant pour savoir est-ce qu'ils avaient déjà fait du codage. Est-ce qu'ils se sentent capables d'apprendre à faire du codage? Est-ce qu'ils aiment le codage? Puis est-ce qu'ils sont capables, plus capable que d'autres de coder. Ça, c'était la perception de soi par rapport à leur apprentissage. Ça veut dire comme, est-ce qu'ils se sentent comme s'ils sont capables d'être leaders en codage? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, on a fait ce sondage-là avant, puis après, puis on a vu qu'il y avait une belle amélioration dans le sentiment des élèves de sentir leader à l'intérieur de leur école ou de leur groupe parce qu'ils avaient appris beaucoup au sujet du codage. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Puis tout au long du camp, on a voulu apprendre puis garder des commentaires au sujet de ce que les parents pensaient, ce que les élèves pensaient puis ce que le personnel pensait tout au long du camp. Donc, le document, quand vous l'avez en PDF, ces liens-là qui sont en bleu, vous pouvez cliquer et en voir plus. Mais j'ai fait une petite sélection de 3 commentaires qu'on a trouvé le fun. Un commentaire d'un parent en haut qui dit qui félicite le camp d'été puis il aurait voulu prendre 2 semaines de plus puis commencer peut-être encore à avoir un deuxième camp d'été avec 3 semaines au mois d'août. Ça dit, je pense que ça a bien été et les enfants semblent aimer être avec d'autres enfants, même en ligne. On a vu qu'il y avait un beau sentiment, comme la première semaine, c'était un petit peu, les élèves apprenaient à se connaître puis à connaître l'enseignant. Puis à la fin du camp, c'était comme, ils s'étaient toujours connus. C'était vraiment le fun. Puis un autre commentaire que vous voyez en bas à droite, c'est un commentaire d'élève. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé pendant le camp, les élèves et les enseignants? Ce que je changerais du camp est, je ne changerais rien, c'était magnifique. Donc, il y a eu plusieurs commentaires, puis dans les liens, vous voyez d'autres commentaires de d'autres élèves, mais ça a été très bien apprécié de la part des élèves. Puis aussi, parce qu'il n'y avait pas d'enseignants qui n'avaient jamais vécu ça avant, un camp d'été où c'était fait en ligne, et c'était fait d'une façon aussi intensive, 3 heures par jour sur 4 jours semaine, pendant 3 semaines intensives, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Les profs ont beaucoup appris. Entre autres, vous voyez le commentaire qui est là. Je vais le lire. Ça dit premièrement, félicitations pour la programmation du camp. Attends, je vais devoir le mettre plus grand. Mes yeux sont plus vieux un petit peu, j'espère. OK. Donc, je sais que c'est un travail de collaboration avec la contribution de tous, mais je souligne que le succès du camp virtuel est une première et ça fait 10 minutes.
Merci. OK, donc un beau commentaire de la part d'un enseignant ici qui disait qu'il avait apprécié apprendre tout au long du camp. Donc, je termine en conclusion avec la diapositive suivante. On a fait des apprentissages tout au long de ce camp-là. On a vu que les élèves apprennent vite. Ils peuvent apprendre très rapidement selon le mode d'enseignement qu'on leur propose. Donc, si on leur propose d'être en ligne, ils vont apprendre en ligne. S'ils sont en physique, ils apprennent en physique. Donc, il n'y a pas eu d'empêchement à l'apprentissage là. Ils aiment le codage. On est capable d'aller chercher des preuves d'apprentissage, donc des preuves que l'élève apprend, même en ligne. Et les élèves sont très engagés. Donc, ils ont aimé l'expérience du camp en général. Donc, ça conclut ma présentation, puis je vous remercie de votre écoute, puis j'ai respecté le 10 minutes, c'est bien. Merci. Bravo, Roxane, merci, et merci d'avoir respecté le 10 minutes avec ton chronomètre. Maintenant, je céderai la parole à Carole, qui est la directrice de la programmation et leader de l'efficacité au palier secondaire, qui va nous parler des cours d'été en ligne. Oui, bonjour tout le monde. Et voilà, me voilà. Donc, j'ai une présentation aussi, Chantal. Je ne sais pas si on peut partager. Oui. Donc, l'école secondaire virtuelle pour l'été 2020. Donc, on a eu la chance de pouvoir offrir aux élèves un programme virtuel à distance, là, vous le savez, à cause du contexte de la pandémie. C'était nouveau, ça s'est fait rapidement, mais j'ai vu beaucoup de succès, des leçons apprises par rapport à ce qu'on a vécu cet été. Donc, le programme pour le cours d'été des écoles secondaires est offert dans un premier temps, aux élèves du CSC Mon Avenir et aux élèves du Conseil scolaire Vie en Monde. Donc, c'est un partenariat. On embauche les élèves et les enseignants on n'embauche pas les élèves, on embauche les enseignants des deux conseils et les élèves des deux conseils peuvent s'inscrire aux cours offerts de la 7e à la 12e année. Donc, nous, l'école virtuelle au secondaire, était du 2 juillet au 14 août. On peut passer à la prochaine. Merci. Donc, le taux de participation, évidemment, ça a été un franc succès, je dois vous dire, au niveau du nombre d'élèves qui se sont inscrits. Pour les cours de la 9e à la 12e année, on a eu approximativement là, 1115 élèves qui se sont inscrits. Et puis, pour la 7e et 8e année, nous avons eu 538 élèves d'inscrits. Et aussi, on travaillait en collaboration avec le CAVELFO, le consortium provincial là, qui offre des cours en mode virtuel. Nos élèves pouvaient aussi prendre ces cours-là. Donc, on a eu 609 élèves qui ont pris des cours en ligne. Donc, pour un grand total de 2366 élèves. Pour pouvoir pallier, pour pouvoir offrir toutes ces sections de cours-là à nos jeunes, on a dû embaucher 104 enseignants. On avait aussi comme personnel une direction et une secrétaire. Parmi les enseignants qu'on a embauchés, évidemment, on avait des chargés de cours là, de la 7e à la 12e année, mais on a eu des responsables de l'encadrement local, des enseignants qui sont dédiés spécifiquement à appuyer les élèves qui prennent les cours à distance modulaire du CAVELFO. Une première cette année, puis ça a fait une grande, grande différence. On a eu la chance de pouvoir embaucher des enseignants ressources pour appuyer nos élèves et aussi des aides enseignantes. Si je me rappelle, j'ai mis un S, mais je pense qu'on avait une aide enseignante pour appuyer des élèves qui avaient des plus grandes difficultés là, qui nous provenaient de différentes CPV dans les écoles secondaires, qui voulaient participer à différents cours ouverts qu'on a offerts cet été.
Merci. Donc, le modèle d'enseignement à distance, on a vécu au secondaire, dans toutes nos écoles, un modèle qui est un peu différent depuis mars à juin dernier pour nos jeunes à distance. Cet été, on voulait vraiment rassurer les élèves et les parents que l'élève allait recevoir ou était pour avoir du temps en direct, en synchrone avec son enseignant. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est pour un cours de 110 heures, un plein crédit. L'enseignant était tenu pour un cours de 100 crédits d'enseigner en synchrone, en direct, live avec l'élève pendant 60 minutes et aussi à un autre temps dans la journée de revenir en ligne pour appuyer pour au moins une trentaine de minutes pour appuyer les élèves qui avaient besoin d'aide supplémentaire, soit qui avaient des questions, peu importe le besoin. Donc, l'enseignant vraiment gardait le 30 minutes pour faire un coucou à ses élèves. Okay? Ensuite, il y avait aussi la portion asynchrone qui, pour approximativement, là, l'élève pour un cours de 110 heures du 2 au 29 juillet devait avoir des activités d'apprentissage ou être en mode apprentissage autonome pendant au moins 200 minutes, à peu près, pas tout à fait 3 heures par jour, pour pouvoir arriver à compléter là, les attentes du curriculum et les apprentissages essentiels reliés à ça, et aussi profiter là, de son temps pour vraiment approfondir des concepts, des compétences là, qui pourront, j'espère, au retour à l'école cette année, lui servir. Ça va? Le modèle d'enseignement pour les cours de rattrapage était similaire pour ces élèves-là. Les élèves qui avaient, par exemple, qui voulaient reprendre un crédit, la durée du cours était de 55 heures et donc la composante synchrone et asynchrone était diminuée pour ces jeunes-là. La même chose pour les élèves de 7e et 8e année. Les élèves, évidemment, ne travaillaient pas pour des crédits comme tels, travaillaient plutôt pour l'obtention, là, pour récupérer les écarts en français, anglais, sciences, mathématiques, okay? Mais en suivant toujours le même modèle. Une chose qui a été nouvelle cette année pour nos jeunes de 8e année, on a permis à nos jeunes de pouvoir prendre un crédit de la 9e année pour qu'ils se familiarisent avec le secondaire. Donc, le cours le plus populaire, je pense qu'on a offert à peu près 8 sections de cours, c'est le cours d'apprentissage, gestion des apprentissages, où les élèves ont vraiment appris là, quel est mon style d'apprentissage, comment je vais m'organiser au secondaire, qu'est-ce que je vais vivre à la rentrée au secondaire, c'est quoi des crédits, toutes les composantes d'orientation scolaire. Donc, très populaire, puis les élèves ont beaucoup apprécié. On y va. Merci, Chantal. La rétro. On a sondé les élèves à savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, etc. Donc, je vous partage quelques réponses qu'on a reçues. Alors là, ici, à la question « Combien de temps as-tu passé à écouter ton enseignant? » dans la portion live, là, en direct, asynchrone. Et puis, les élèves nous ont dit, en fin de compte, qu'on avait respecté ce qu'on avait dit. La majorité, je peux lire, c'est petit, là, 66% ont donné une session en synchrone pendant 60 minutes par jour, telle que demandée. Probablement que les autres réponses indiquent un nombre écourté de temps pour les cours de 55 heures. Donc, la question n'avait peut-être pas été bien formulée à ce moment-là. On y va. Merci. Ici, j'ai placé, on a demandé une question ouverte aux élèves. Quelle est ta leçon ou ton projet que tu as préféré davantage? Donc, je lis quelques extraits ici. Là. J'ai beaucoup aimé la leçon sur l'explication de la psychologie et de la sociologie dans l'autre cours.
Ce sera dans celui des poèmes. J'ai aimé interagir et débattre avec les autres élèves et l'enseignante. Donc, ici même, j'ai aimé entendre ou lire ce commentaire-là parce que même en ligne, on peut voir que les élèves ont apprécié, que les enseignants ont engagé les jeunes dans des conversations et même dans des débats en virtuel. Le deuxième, chacun a un point de vue. En maths 7e, on fait des activités. En anglais, on interagit beaucoup. Et en sciences, on répond à des questions. Interagit dans le chat. Donc, il y a eu beaucoup de discussions. Et nouvelles connaissances et faits intéressants. Donc, ça, c'est un élève de 8e année. Et puis, je vous lis le dernier, les travaux en groupe, parce qu'ils m'ont permis de rencontrer et de travailler avec des nouvelles personnes et ils ont facilité la tâche vu que je pouvais facilement demander de l'aide ou de l'appui. Là, il n'y avait pas d'auteur, non? Mais tout de même, c'est bien d'entendre que les jeunes ont pu, dans un contexte ou une plateforme virtuelle, se rencontrer et se faire des amis là, au niveau dans le contexte scolaire. On y va? Merci. La prochaine, qu'est-ce que tu aimes le plus de l'apprentissage à distance en ligne? Donc, 50% des élèves ont dit clairement qu'ils aiment travailler à leur propre rythme selon leur emploi du temps. Je pense que ce n'est pas une surprise, mais quand on le voit comme ça en rouge, c'est clair et net. C'est la chose que les élèves apprécient. Ensuite, la deuxième réponse, le 25%, les élèves ont dit « Je peux suivre un cours en direct avec mon enseignant et visionner à nouveau. » Parce qu'on avait demandé aux enseignants d'enregistrer le cours live qu'ils donnaient pendant les 60 minutes et de le déposer dans Google Classroom. Donc, si l'élève, pour une raison ou une autre, l'été, parfois c'est difficile de se brancher un certain temps, les élèves pouvaient visionner l'enregistrement par la suite sans avoir manqué là, aucune information au niveau de la leçon. Le troisième point, le plus élevé, les élèves ont apprécié les leçons, les activités d'apprentissage et les évaluations dans Google Classroom. La plateforme de Google Classroom est vraiment, lorsque bien organisée à l'intérieur, l'élève peut suivre à son propre rythme. On peut passer, merci. Donc, selon toi, on a demandé à nos clients les plus importants, on leur a demandé là, quels aspects du programme d'été est-ce que nous, on devait améliorer? Donc, les réponses à 36% en rouge, les élèves nous ont dit qu'on doit améliorer, on doit faire des leçons en mode synchrone qui sont plus interactives pour engager davantage les élèves. Donc ça, c'est toujours, hein, quand on est en virtuel, de garder le pas et s'assurer d'interagir. Le deuxième point, à 22%, les élèves ont demandé d'avoir plus de choix dans les activités et les projets. Donc, plus de différenciation, plus de choix pour répondre aux attentes et aux objectifs du cours. Hein? Le prochain. Je crois que c'est la dernière, Chantal. OK, donc ça termine. Je vous remercie de votre écoute. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Roxane et ou Carole? Ne voyant pas de main, je tiens, mesdames, à vous remercier énormément, non seulement du temps consacré ici à nous partager ce que vous avez rendu disponible pour nos enfants au printemps, mais également pour toute la planification et les suivis que vous avez assurés pendant l'été. Je sais que ça ne devait pas prendre trop de votre temps cet été, mais je suis aussi conscient qu'en réalité, ça demande un gros investissement de temps. Je rappelle aux conseillers scolaires qu'on était en mode pandémie au printemps lorsque
les équipes pédagogiques sous le leadership de Carole et de Roxane étaient en train de planifier ces camps et ces cours virtuels-là. C'était une première pour nous autres. La demande était excessivement grande et elles ont pu livrer des initiatives de qualité. Donc, on vous remercie pour ça et de votre présence ici ce soir. Merci, André. Merci, tout le monde. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci, Mme Wilson, et Mme Hott. OK, donc on continue. Numéro 6, adoption des préceptes verbaux. 6.1, adoption du précepte verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 23 juin 2020. Un proposeur. Et conseillère Thibaudot. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion du Conseil du 23 juin 2020 sous la forme présentée. Puis-je intervenir? Merci. Je pense, Chantal, que ça va être modifié, si ma mémoire est bonne. Oui. Et tu pourrais nous faire part des éléments où ça va être modifié? Il y aurait deux changements à apporter au procès-verbal. Donc, à la page 75 de la trousse, la motion 4, la résolution 123. La motion a été rejetée, mais le libellé va changer pour retirer les mots, les principes « de » et « social » pour que la phrase se lise comme suit, « fondée sur la doctrine de l'Église catholique ». On va changer le libellé de la motion. Et également à la page 76 de la trousse, motion 8, résolution 127, le conseiller Papillon demande d'enlever le mot, la préposition « à » au changement qu'on avait apporté. Donc, la motion aussi a été défaite, mais on va changer le libellé de la motion pour les archives. C'est bien ça, M. Papillon? Oui, c'est exact. Juste une petite correction. Merci. Merci. Proposer un procès-verbal modifié, proposé par conseillère Thibaudot, appuyé par conseiller Johnson. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions, donc tous en faveur pour le point 6.1. Merci, adopté. 6.2, adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 15 juillet 2020. Un proposeur. Qui est-elle là? Oui, un proposeur. Conseiller Papillon. Le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 15 juillet 2020 sous la forme présentée. Appuyé par. Conseilleur Thibaudot, Monsieur le directeur. Merci, je n'ai pas d'ajout à moins de questions. Oui, j'ai une petite question, conseiller Johnson. Une petite correction à la page 4.2.3. Il faudrait mettre la rentrée scolaire 2020 et pas 2021. 86, ma trousse. Okay. Bien noté. Merci. On a pris de l'avance. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Je ne vois pas. Donc, tous en faveur pour le point 6.2. Contre? Adopté. 6.3, adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 12 août 2020. Un proposeur, conseiller Thibaudot. Le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 12 août 2020 sous la forme présentée. Appuyé par conseiller Petitpas. Monsieur Delta. Merci. Pas d'ajout à moins de questions? Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas. Donc, tous en faveur pour ce point. Adopté.
6.4, adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 26 août 2020. Proposeur. Non, vous n'étiez pas là, madame. Je vois conseillère Thibodeau. Le conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 26 août 2020 sous la forme présentée. Appuyé par conseiller Papillon. Monsieur le directeur. Merci. Encore ici, à moins de questions, je n'ai pas d'ajout. Présidente. Est-ce que question, conseiller Jensen? Merci, Madame la Présidente. Au point 4.2.1, je ne l'ai pas devant moi, mais il est mis qu'à ce moment donné, on aura une présentation du comité Action ACMT. C'est toujours prévu, ça? Il n'y avait pas plus de discussion, mais c'était pendant l'été. Donc, en ce moment, je n'ai pas eu d'autres renseignements. Monsieur Blais. Ce que j'allais dire, Monsieur Lévesque avait partagé le désir de la part de Mme Joanne Bouchard de venir faire une présentation. Par contre, il n'y a pas eu de suivi depuis. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne vois pas. Donc, tous en faveur pour le point 6.4. En faveur? Contre? Adopté. Numéro 7, affaires découlant sans objet. 8, affaires différées sans objet. 9, recommandations des comités. 9.1, rapport de la séance à huis clos du Conseil du 30 septembre 2020. Un proposeur, conseiller Blais. Le Conseil approuve la résolution 9.2. OK, que le Conseil 9.1. Que le Conseil approuve la résolution adoptée en séance à huis clos du 30 septembre 2020. Appuyé par conseillère Grenier, Monsieur le directeur. Pas d'ajout, à moins de questions. Il y avait des questions. Pas de questions, donc tous en faveur pour le point 9.1. Adopté. 9.2, rapport des réunions publiques des comités du Conseil. 9.2.1, réunion du comité de travail du 16 septembre 2020. Aucune recommandation. Madame la Présidente. Oui, Monsieur Jensen. Il faut faire une petite correction. Ce n'est pas moi qui l'ai observé, mais il y a Madame Dorothée Petitpas, présidente du comité de travail. Ça aurait dû être Mme Jensen. Page 101 de la trousse. Donc, vous parlez de quel document? Dans la trousse, page 101 de la trousse. Oh. Je n'ai pas mon copie ici, M. Blair. Oui, je le vois, c'est bien noté. Ouais. On va apporter la correction. OK, parfait, merci. Merci. Donc, aucune recommandation. Pour la réunion du comité CCRD du 23 septembre 2020, aucune recommandation. 10. Étude des rapports des membres de l'administration. 10.1. Rapport CDA 06-09-2020. Comité d'admission aux écoles de langue française. Monsieur le directeur. Merci. Alors, à ce moment-ci, je vais céder la parole à la surintendante Iskander. Merci beaucoup. Donc, comme vous voyez, le rapport fait état des différents comités d'admission qui ont eu lieu à partir du 12 juin et jusqu'au 22 septembre. On a mis une cellule en place durant l'été et on a fait quelques comités d'admission pendant les mois de juillet et août aussi. Et on a continué durant le mois de septembre avec plusieurs comités. Si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions, alors merci, Madame Iskander. Donc, on continue. 10.2. Donc, Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Donc, j'ai reçu, avant que je vous demande un proposeur,
juste un j'ai reçu pour je vais juste mettre les noms en ordre. Donc, j'ai reçu pour les délégués votants, j'ai reçu, il y a moi-même, j'ai reçu Claire Thibodeau et après Geneviève Grenier. Pour comme substitut, il y avait Nathalie Dufour-Séguin. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? J'ai juste besoin de deux autres comme substitut. Conseiller Papillon. Merci. Une autre personne? Conseillère Petitpas. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Vous avez le nom, je répète, pour soit les délégués, c'est moi-même, Claire Thibodeau et Geneviève Grenier. Deuxième motion pour les substituts, c'est Nathalie Dufour-Séguin, Max Papillon et Dorothée Petitpas. Donc, un proposeur qui n'est pas nommé. Conseiller Clantin. OK. Les conseillers scolaires Mélina Chartrand, Geneviève Grenier et Claire Thibodeau soient les délégués votant du conseil lors du prochain congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones qui se tiendra exceptionnellement le samedi 31 octobre 2020, le midi à 14h approximativement par visioconférence. Appuyé par conseiller Thibodeau. Et deuxième, Dominique. Et je vais le faire aussi. Ouais. Alors, que les conseillers scolaires Max Papillon, les conseillères Nathalie Dufour-Séguin et conseillère Dorothée Petitpas soient nommés délégués votants substituts, pardon, lors de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Et appuyé par conseillère Thibodeau. Merci. Question? Monsieur Blais? Pas de jour, à moins de questions. Merci. Donc, pour votre information, si vous allez au site web de la Fédération nationale, le congrès annuel virtuel, maintenant, il y a des renseignements sur le site web. L'inscription est gratuite. Le congrès prendra plutôt un format virtuel cet automne. La période d'inscription se tiendra du 30 septembre au 15 octobre. Il y a, sur trois jours, il y a deux tables rondes, le 29 octobre, le 30 octobre, un table ronde chaque jour. Il n'y a pas plus de renseignements que l'affiche et l'AGA qui sera tenue samedi après-midi. Donc, il y aura plus de renseignements partagés ça va être demain, certainement. Sur le site web aussi, il y a déjà les documents pour l'AGA se trouvent sur le site web. Donc, si vous avez la chance, vous pouvez télécharger les documents pour l'AGA. Merci. S'il n'y avait pas de questions, alors tous en faveur pour ces deux motions. En faveur? Adopté. Merci. 10.3, l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario. Comme on a mentionné, la rencontre aura lieu en ligne du 19 au 24 octobre 2020. Le thème de la rencontre annuelle virtuelle est « Agir pour l'avenir ». L'inscription est gratuite et il y a environ 10 ateliers, super excellente programmation, mais ça se trouve pendant toute la semaine du 19 octobre jusqu'au 24 octobre. Donc, il y a, si vous avez le temps, vous pouvez faire l'inscription pour chaque jour ou identifier juste des ateliers qui vous intéressent. Donc, je vous encourage d'aller visiter leur site web pour avoir plus de renseignements sur la rencontre de l'AFO. Merci. Est-ce qu'il y a des ajouts? Commentaires? On souhaite M. Dominic Johnson qui va se présenter comme candidate le Sud. C'est-tu le Sud ou? Centre. 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 Et merci de ta proposition. Merci. Donc, je vous souhaite bonne chance.
OK. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Affaires courantes, 11.1, l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques. Donc, au nom de la FOCSC, nous remercions les conseils scolaires qui ont pu se joindre à nous pour l'AGA du samedi 12 septembre. Bien que nous n'ayons eu que 55% des conseils scolaires en ligne, la réunion a été très réussie et a suscité des réactions positives de la part de nos membres. L'un des mandats requis de notre planification stratégique était une enquête visant à identifier les besoins futurs en matière de formation. Donc, vous devriez tous avoir reçu deux courriels de notre nouvelle agente de communication, Emily Callin, qui comprend un SurveyMonkey qui ne prendra que 5 minutes. Donc, j'espère que vous avez eu la chance de compléter le sondage. Ça ferme ce soir. Je ne sais pas si c'est encore disponible, mais si vous pouvez prendre 5 minutes ce soir pour répondre à l'enquête, ce sera très apprécié. Comme j'ai mentionné, notre prochaine rencontre sera la semaine prochaine. Et c'est avec un plaisir que je continue en tant que vice-présidente de la FOCSC et avec Joanne Lacombe, présidente de la FOCSC. Il y avait des questions? Je ne vois pas de questions. Donc, numéro 12, présentation sans objet. 13, compte rendu mensuel des membres du conseil. 'Que le ministre Lecce continue de rencontrer les présidences des 72 conseils scolaires et les DG tous les lundis après-midi. Au cours des dernières semaines, il a eu la présence de le médecin en chef qui est le consultant pour le gouvernement. Donc, je trouve que les sessions ont été plus instructives pour les conseils et qu'elles ont permis de s'assurer que les conseils sont en mesure d'assurer la sécurité de nos élèves, de notre personnel et de nos familles. Donc, je crois que notre personnel réagit très bien aux mesures de sécurité et continue à travailler avec les bureaux de santé publique pour s'assurer que nous avons toutes les informations scientifiques nécessaires pour assumer nos responsabilités. C'est un grand défi. Et j'apprécie tout le travail de notre administration pour mettre en place nos protocoles de rentrée scolaire, d'assurer qu'on peut répondre aux inquiétudes des parents, des enseignantes et des élèves dans nos systèmes. Donc, c'est avec beaucoup de présentations avec nos DG qu'ils partagent les défis de nos grands territoires. Donc, cette dernière réunion, nous avons eu des rencontres avec les 4 conseils pour la région des zones chaudes, comme Toronto. On a eu des rencontres avec les 4 conseils, présidence et DG, pour discuter des défis, des meilleures pratiques, des commentaires. Donc, les conseils pourraient partager avec le ministre. Et on a juste eu une autre demande de rencontre jeudi avec le ministre Lecce, mais il n'a pas partagé quelle communauté encore. Mais ça nous donne la chance de partager des commentaires de nos parents qu'on a reçus dans les régions de Toronto et York à date. Puis il y avait une autre que Mme Grenier a fait partie de la rencontre samedi. Donc, nous, de notre côté, les systèmes francophones, ça nous a permis de partager les défis comme les pénuries des enseignantes, le fait qu'on travaille avec 13 bureaux de santé et que les renseignements ne sont pas les mêmes choses que Toronto. Donc, c'était un défi que nous avons soulevé avec le ministre. Après, autre que les nombreuses rencontres avec ministre Lecce,
Pour moi, les dernières deux semaines ont été actives avec diverses organisations qui ont tenu leur AGA, telles que le Centre francophone de Toronto, le Centre de santé communautaire de Hamilton et Niagara, l'entité 2. Donc, ça fut des semaines très occupées. Et avec beaucoup d'enthousiasme, le nouveau centre Jules Léger, le consortium, a commencé avec la gouvernance par les 12 conseils scolaires. C'est un plaisir de continuer à représenter le Sud pendant les deux prochaines années en tant que membre du consortium. Donc, nous nous réjouissons de notre engagement à fournir d'excellents services à nos élèves dans toute la province. Et c'est tout pour moi. Donc, je passe la parole s'il y a des conseillers scolaires qui aimeraient partager. Conseillère Godbout. Mélinda, c'est plus une question que j'avais pour toi. Est-ce que tu pourrais nous faire part de quelle était la réaction du ministre Lecce au sujet des différentes opinions ou positions des bureaux de santé? Parce que, comme tu sais, ça, pour Toronto, ça, c'est très différent qu'à d'autres régions. Chaque région a sa propre réalité. Mais est-ce qu'il avait des suggestions à savoir comment gérer justement ces différentes opinions-là ou positions? Il n'y avait pas de suggestion, mais je demande à M. Blais d'ajouter. Merci. Je pense que ça fait 5 différentes rencontres, au moins 4. Je pense que la 5e aura lieu demain. À chaque rencontre, comme Mme la Présidente disait, on parle et de la pénurie d'enseignants et de suppléants. Et on parle justement du fait que nous transigeons avec 13 bureaux de santé et que les attentes sont différentes. Il retient le commentaire comme étant un défi pour nous. C'est un commentaire qui est aussi fait par le conseil laïque limitrophe. Donc, on en prend bonne note. De notre côté, nous ne manquons pas d'opportunités pour parler de ce défi-là, particulièrement au niveau des frères et sœurs d'enfants qui démontrent des symptômes, notamment au niveau du port de masque chez les plus jeunes. Mais présentement, on n'a pas de solution à ce défi. Et en fin de semaine, la vice-présidence Grenier et moi-même avons participé à une rencontre avec les gens à Durham où encore la question du manque de cohérence dans les approches a été soulevée. Et je peux vous dire que le médecin hygiéniste qui était présent de la région de Durham était surpris d'apprendre qu'il y avait des bureaux de santé régionaux qui ne respectaient pas la position de la province. Donc, c'est évident là, que tous les joueurs ne sont pas nécessairement sur la même page. Et nous, on va continuer à réitérer l'importance d'avoir des messages cohérents partout en province. Merci, M. Blair. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Conseiller Jensen. Oui, merci, Madame la Présidente. J'aurais dû le faire plus tôt au début, mais rebonjour à Diane, une revenante qui est toujours prête à nous aider, c'est bien apprécié. Et bonjour et bienvenue à Gina. Comment tu as aimé ça? Ça sera comme ça toutes les réunions. Alors, je voulais tout simplement dire, étant donné qu'on ne peut pas aller dans les écoles, j'ai quand même fait un petit effort pour contacter l'une de mes directions pour avoir un petit peu une idée. Et en général, je crois que ça a bien été. Ils ont dû mettre plein de travail et de labeur et d'huile de coude dans le travail de préparation des écoles. Donc, c'est très, très apprécié. Il faudrait absolument, monsieur le directeur, que vous... et les surintendants, que vous remerciez vos directions d'école qui ont travaillé jour et nuit pendant 2 semaines avant la rentrée des classes. J'ai participé au lever du drapeau à Hamilton. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, mais à la suite d'une de mes rencontres discussion avec une de mes directions, j'aimerais quand même poser la question à la direction du conseil de savoir si vous pouvez nous faire, pas ce soir, mais peut-être à la réunion du conseil du comité de travail, une petite mise à jour de comment ça se passe dans les garderies, parce que j'ai eu comme l'impression qu'ils en arrachent dans les garderies. Alors, peut-être avoir une idée de comment ça se déroule et quel est l'avenir
de leur garderie dans les écoles. Merci. Merci, M. Blais. C'est bien noté, une mise à jour de la réalité dans les garderies. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qu'on voudrait avoir comme information? Moi, c'est ce que je lis, c'est qu'il y en a dans les journaux, j'ai vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de garderies à travers le pays qui ont dû fermer leurs portes. Alors, j'aimerais avoir peut-être un petit écho de savoir si ça avait été le cas chez nous et comment les garderies dans nos écoles qui sont travaillent sous le conseil, si vous voulez, si elles ont pu maintenir leur niveau de d'inscription, enfin, parce que je crois que ça a fort baissé à cause de la pandémie et des élèves qui sont en ligne et que les parents ont préféré rester à la maison. Donc, c'est un peu pour avoir un son de cloche. Fonctionnement général, assiduité, oui. Puis oui. Nombre de participants ou nombre d'effectifs. Oui. Parfait. Oui. OK, merci. Je vois conseillère Thibideau. Oui, moi, ce serait surtout une question. Le 5 octobre s'en vient bientôt. On a parlé du grand dévouement de toute l'équipe, mais le 5 octobre, c'est tout particulier pour les enseignantes et les enseignants. Donc, j'imagine que vous avez déjà planifié quelque chose pour les remercier parce que je sais que donc je suis amie, vous ne veux pas, étant donné la carrière que j'ai eue avec des enseignantes et des enseignants qui font leur grand possible, mais ne trouvent pas ça facile. Il y en a déjà qui parlent d'épuisement professionnel, puis on est le 30 septembre. Donc, puis un petit mot de grève. Puis je sais que le conseil l'a fait à chaque année, mais je pense que ce serait bien important que ce soit encore plus réitéré cette année. Le remerciement du dévouement. Puis j'imagine que les conseillers et conseillères scolaires, là, ça fait quoi? Je sais que c'est plus nouvelle, là, 2 ans, mais il serait important que Melinda, comme présidente, tu m'envoies un courriel ou quelque chose, mais est-ce que ma question aussi, c'est est-ce que c'est accepté, parce que je ne sais jamais, qu'on envoie un courriel aux directions, aux écoles pour remercier le personnel enseignant des écoles que nous desservons? Merci. Monsieur Blais? C'est acceptable. C'est certain que comme conseiller scolaire, comme parent, comme frère et sœur de gens qui œuvrent dans nos écoles, si vous voulez envoyer un courriel positif pour les encourager et les remercier pour l'excellent travail qu'ils font dans des circonstances exceptionnelles, ça serait très apprécié. Oui, je suis d'accord avec M. Blais. Certainement, ils vont envoyer quelque chose au nom du conseil, mais je pense cette année, nos employés et tout le personnel besoin d'être remerciés fortement de notre part aussi. Merci. Merci Claire, excellente idée. Est-ce qu'il y avait d'autres conseillers scolaires avant que je passe la parole aux élèves conseillères? Donc, je ne sais pas qui commence, Sophia ou Annelle. Est-ce que vous avez quelque chose à partager avec nous ce soir? Je peux commencer. Donc, plusieurs écoles n'ont pas un conseil des élèves. Donc, nous n'avons pas comme parlé à des autres, comme à des élèves des autres écoles. Mais comme à travers les comptes Instagram des écoles, il y en a plusieurs qui font des élections genre maintenant. Et d'autres qui ont fait leur sélection comme en mai durant le confinement. Et genre, ils font des activités plutôt virtuelles, mais comme ils sont comme encore en train de promouvoir comme l'esprit de l'école, tout ça. Oui, merci Sophia, puis je comprends. Annelle, est-ce que vous aimez ajouter quelque chose? Oui, donc la même que Sophia avec les conseils élèves. Je sais qu'une activité que les élèves ont pu faire, c'était pour la journée
du drapeau franco-ontarien, encore des activités virtuelles qui se sont passées lors de la journée même, pendant les heures d'école. Puis c'était, je pense qu'en groupe classe, les enseignants pouvaient faire vivre les élèves, les activités par des live streams. Puis c'est ça. Merci. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Je ne vois pas. Donc, on continue. 14, avis de motion sans objet. 15, correspondance. Donc, vous avez les 7 différentes correspondances, notes de service et lettres incluses dans la trousse. Monsieur Blair. Merci. Si vous permettez, je vous amène au 15.07. Là, c'est les deux dernières pages de notre trousse. Au cas où vous n'aviez pas eu l'occasion de le lire ou que vous l'aviez manqué dans les médias, vous vous souviendrez l'année dernière que malheureusement, nous n'avions pas pu avoir des cérémonies des finissants. Et le ministre de l'Éducation avait demandé au conseil scolaire de prévoir des célébrations à l'automne. Maintenant, avec la deuxième vague qui débute, il est évident que des graduations ne seront pas des remises. Ne seront pas possibles. Et donc, pour tenter de compenser, le ministre de l'Éducation et le premier ministre Ford vont prévoir des certificats pour chacun de nos finissants pour tenter de compenser là, pour ce manque. On est certain que ça ne remplace pas une remise des diplômes, mais c'est quand même un beau geste de la part du ministre de l'Éducation et du premier ministre. Donc, si vous entendez dire dans vos communautés que les gens sont déçus, qu'il n'y a pas de remise de diplôme à l'automne, vous comprendrez pourquoi. Et maintenant, vous savez ce que le ministre de l'Éducation et la province prévoient pour tenter de compenser. Merci. Est-ce qu'il y avait des commentaires? Non. Donc, on continue. 16, motion de recevoir. Donc, ça, c'est les motions qu'on demande aux deux élèves conseillers scolaires. C'était leur chance d'être dans les minutes. Ça aussi, je pourrais proposer d'être conseillère Joseph pour commencer. Que le conseil reçoit les documents présentés en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion seulement. Rapport CDA 6009-2020, comité d'admission aux écoles de langue française et correspondance. Et appuyé par la conseillère élève Sibaras. Question. Je ne vois pas de questions, alors tous en faveur pour ce point. Et adopté. 17. Questions diverses. 17.1. Révision annuelle du règlement de procédure à la réunion du comité de travail d'octobre 2020. Monsieur Blair. Merci. C'est juste un rappel qu'on a pris la décision il y a quelques années d'apporter des changements au règlement de procédure une fois par année et c'est au mois d'octobre. Donc, je pense que vous avez reçu une invitation de la part de Chantal de soumettre des suggestions qu'on pourrait voir au comité de travail. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Conseillère Petitpas. Bonjour, Justine. J'aimerais savoir si vous recevez des appels de parents qui sont un peu... ça peut se tirer lorsque l'école appelle et dire « faut venir chercher votre petit, votre petite ». Parce que son nez coule un petit peu ou elle a toussé un peu dans la classe. Et puis là, les parents sont obligés, dans cette situation-là, d'aller se faire tester pour le COVID. Et puis, ils ne peuvent pas retourner eux-mêmes au travail avant qu'il y ait le résultat. Et puis, est-ce que vous avez beaucoup d'appels, vous autres? Parce que moi, j'en ai 350, là. Et je peux dire peut-être une demi-douzaine pour 3-4 jours. Ils ne savent plus où s'en aller avec ça. Là. Est-ce que j'avais entendu dire ou j'ai lu qu'il allait nommer d'autres choses que c'est vraiment pas rapport à un COVID?
Est-ce que vous avez des réponses sur ça? Ça va même pour les enseignants. Hein, s'il y a un enfant, ou l'enseignant, il faut qu'il reste à la maison. C'est rendu, là, ça n'a plus de bon sens. Oui, merci, M. Blair. Merci. Oui, effectivement, je reçois probablement 2 courriels par jour de parents qui cherchent des clarifications, qui ne sont pas d'accord avec notre position. Je suis certain que mes collègues à la surintendance également reçoivent des appels ou des courriels à cet effet. Encore ici, une question de divergence de pratique d'une région à l'autre qui ne nous aide pas. Nous, ce que nous avons dit aux parents à date, c'est que, on dessert de très grands territoires. Nos élèves voyagent de loin pour venir dans nos communautés, qu'on est soucieux et qu'on agit par une abondance de précautions parce que... On n'a plus de personnel, comme Vincent vous a dit. On a doté toutes nos classes en présentiel et en virtuel avec tous les enseignants qu'on avait. On fait tout dans notre possible pour protéger nos enseignants parce qu'il y a également une pénurie d'enseignants suppléants. Donc, c'est vrai que nous demandons aux petits frères et aux petites sœurs de partir pour minimiser les chances de contagion et l'exposition. Par contre, les parents, des fois, pensent que nous avons demandé que toute la famille aille se faire tester ou reçoive un test de COVID. Ce n'est pas ça le cas. Ce que nous avons demandé, c'est que toute la famille parte, que la personne avec symptômes reçoive un test si le professionnel de la santé le recommande, qu'on demande l'avis d'un professionnel de la santé, que ce soit en personne, que ce soit télésanté, et que le professionnel de la santé juge de l'importance de garder l'enfant à la maison ou non, et le parent peut prendre une décision éclairée et aviser l'école par la suite. Donc, il y a eu certaines situations où il y avait un bris dans la compréhension, la communication, mais dans tous les messages que moi, j'ai pu échanger avec les parents, ils m'ont remercié des clarifications immédiatement après. Et par rapport à la deuxième partie de votre question était en lien avec est-ce qu'il va y avoir des changements à la liste de symptômes. C'est un des éléments qui a été discuté à un appel entre CODE et le ministère de l'Éducation la semaine dernière. Michael est en ligne avec, je pense, le Bureau de santé de Toronto hier lors d'une visioconférence et justement, ça se parle. On pense que ça s'en vient là, dans les prochains jours. Mais je pense qu'il va y avoir également une différence de pratique dans les différents bureaux de santé qui va nous mettre encore dans une position là, où on va tenter de plaire à tout le monde, mais qu'en même temps, on ne sera pas en mesure de plaire à tout le monde. Juste un suivi, c'est qu'il y en a qui sont fait dire qu'il faut qu'il y ait le médecin de famille. Le médecin de famille peut dire qu'ils sont corrects ou pas. Il y a des médecins de famille qui ne veulent pas se prononcer. Parce qu'il ne voit plus l'enfant. Tu as un rendez-vous avec le médecin, mais tu es au téléphone. Donc, ça frustre les parents, puis je les comprends. Je les comprends. Mais s'ils peuvent clarifier un peu plus, ça va peut-être aider même avec les enseignants, puis dans les classes. C'est seulement mon commentaire. D'accord. Merci. Et c'était bien soulevé avec. Et c'était certainement apporté au ministre, avec le ministre Lecce. Donc, on espère d'avoir de nouveaux changements sur les listes des formulaires. Super. Monsieur conseiller Blair. J'aimerais savoir pourquoi, si un enfant est envoyé à la maison, il ne peut pas suivre les cours virtuels. Il faut qu'il attende qu'il retourne en classe pour continuer ses cours. C'est une bonne question. Les parents ont choisi un mode d'apprentissage ou un autre. Au palier secondaire, ce qui se passe présentement, c'est si les élèves sont malades, ils savent que les enseignants sont en direct, qui enseignent leur période. Et donc, les élèves ont pu, dans différents scénarios, là, se brancher puis participer à l'école. Bien qu'on se souvienne également qu'au secondaire, les jeunes sont présents 50 % du temps sur un cycle de 10 jours.
Donc, il y a une certaine flexibilité là, à ce niveau-là parce que nous avons demandé la désignation de nos écoles. Au palier élémentaire, nous n'avons pas demandé à nos enseignants d'être en synchrone en même temps qu'ils enseignent à des enfants. Nous avons créé les deux écoles virtuelles, donc c'est juste pas une attente conseil qui a été créée. Donc, même si un enfant du palier élémentaire qui devrait être en présentiel est malade à la maison, il n'est pas prévu qu'il puisse se joindre à une classe en direct parce que cette classe en direct-là n'existe pas. Un jeune qui est inscrit à l'école virtuelle, qui est malade, par contre, évidemment, cette personne-là a l'option de se brancher en ligne. Mais est-ce qu'on pourrait, dans le futur, un jeune qui va rester à la maison deux semaines, pouvoir se brancher sur une classe virtuelle pour continuer ou il doit rester en convalescence à la maison sans rien faire? Si c'est un enfant qui est au palier élémentaire, s'il est inscrit à une classe en présentiel, c'est son enseignante de salle de classe qui est responsable de lui fournir du travail et d'assurer une communication avec les parents, comme c'était le cas avant la COVID. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres? Oui, conseillère Thibodeau. Merci. Moi, j'ai des questions qui suivent la ligne à conseiller Blais pas mal. C'est sur si et quand l'une de nos écoles, mais je pense qu'il y en a peut-être déjà, là. Je sais qu'il y en a déjà. Quand il y a des cas, et puis je crois que les classes où il y a eu des cas doivent se mettre en quarantaine. C'est-à-dire que toute la classe de cette cohorte n'auront pas accès à l'éducation ou est-ce que c'est prévu que l'enseignant ou l'enseignante va préparer des travaux pour toute la cohorte, toute la classe qui est en quarantaine? Je pense que c'est deux semaines la quarantaine. Est-ce qu'on prévoit finir la quarantaine lorsqu'il y a des résultats des tests? C'est selon la loi de l'éducation, les élèves doivent avoir une éducation. Comment on va s'arranger avec tout ça? Excellente question. C'est certain que si demain matin, la province décide que tout le monde demeure à la maison, l'attente va être que les enseignants de nos écoles basculent en mode virtuel et respectent les attentes de la province au niveau du minutage. Il se pourrait également qu'une école dans une communauté, si jamais il y a éclosion, et si ma mémoire est bonne, éclosion veut dire deux personnes qui ont été en contact avec la même source, et qu'on soit obligé de fermer une école, l'attente est la même. Cette école-là, les deux premiers jours, on va donner l'occasion, l'opportunité à l'enseignante de se préparer pour ce nouveau mode-là. Elle aura quand même la responsabilité ou il aura la responsabilité de déposer des travaux dans Google Classroom pour que ses enfants puissent y avoir accès. Mais rendu à la journée 3, cette personne-là doit être en mesure de basculer vers le virtuel. L'ensemble de nos enseignants ont reçu de la formation pour leur permettre de le faire. Même chose pour une salle de classe dans une école. Si le bureau de santé décide qu'une classe doit être en quarantaine par précaution, ça veut dire que l'enseignante n'est pas en congé de maladie, elle est simplement en quarantaine. Donc, ces mêmes principes-là s'appliquent. Deux jours où on dépose du travail dans Google Classroom et par journée 3, tu dois basculer vers l'enseignement synchrone avec ta classe pour le restant de ces deux semaines-là. Et est-ce qu'on a des écoles qui sont dans ce mode actuellement? Nous avons présentement, puis c'est de l'information qui est publique là, sur le site du ministère de l'Éducation, présentement nous avons une école à Welland qui a une classe en quarantaine et ce soir nous annonçons à une communauté à Cambridge que eux également... Kitchener, je vois l'élève à Diane, est également, il y a une classe en quarantaine également. Merci. Donc, on avait un autre point, 17.2, c'était sur le port des masques, M. Blais. Merci.
Donc oui, vous m'avez demandé à la réunion du comité de travail d'assurer trois suivis en parallèle en lien avec la question des masques et particulièrement à Toronto en raison de la pétition que la conseillère Dufour-Séguin avait reçue. On m'a demandé de faire suivi auprès des directions générales des deux conseils anglophones limitrophes, à savoir si la raison pour laquelle ils avaient décidé pour le port du masque chez les plus jeunes était suite à une recommandation des bureaux de santé ou est-ce que c'était pour raison ou pour raison politique. J'ai fait ce suivi-là et vous ai envoyé la réponse par écrit. On s'était aussi engagé de voir si des gens du Bureau de santé publique de Toronto et ou des gens du Bureau de santé de la province seraient en mesure de se présenter et venir répondre à des questions des conseillers scolaires. Donc, j'ai assuré ces suivis-là auprès de à Toronto auprès de Nicole Welsh, qui est la directrice du Bureau de santé publique. J'ai demandé justement si quelqu'un serait en mesure de venir répondre à vos questions. Et ce qu'elle m'a demandé de faire, c'était de vous demander d'acheminer vos questions par courriel pour qu'elle puisse y réfléchir et y répondre. Donc, elle m'a envoyé l'adresse courriel en question. J'ai envoyé une question en lien avec la part de masque et pourquoi la région de Toronto avait une approche qui était divergente de celle de la province, qui se basait, comme vous savez, sur les recommandations de SickKids et du World Health Organization. Et le bureau de Toronto, ce qu'ils m'ont dit, c'est que que SickKids et World Health Organization, ce qu'ils partagent, c'est les opinions des pédiatres qui ont été consultés. Tandis que le Bureau de santé de Toronto, eux, offre une orientation et une recommandation. Elle n'est pas allée plus loin dans son explication, sauf de dire qu'ultimement, tout le monde a le même objectif, c'est la sécurité des enfants, des familles et des communautés, et qu'eux, au niveau de leur jugement professionnel, le masque était un outil qui pouvait aider à garder les écoles et les communautés ouvertes. J'ai également posé la question à savoir les enfants de 10 ans et moins représentaient quel pourcentage des cas positifs à Toronto, et la réponse était de 2,6%. Au niveau de la province, j'ai reçu le 23 septembre un message de notre sous-ministre adjoint Denis Giguère qui m'a mis en contact avec le docteur David Warshawski. Il est le consultant senior au bureau du docteur Williams. Le docteur Williams, vous vous souviendrez, c'est le médecin en chef au bureau de santé provincial. C'est lui qu'on voit souvent en conférence de presse. Le docteur Warshawski a accusé réception, n'a pas adressé ma question de présence là, en virtuel pour venir répondre à nos questions, mais a simplement dit qu'il allait travailler avec ses collègues du ministère de l'Éducation et que quelqu'un du ministère de l'Éducation, notamment Jeff Butler du Mayo, me reviendrait avec des réponses à mes questions. Je suis toujours en attente. Et comme on l'a dit plus tôt, nous soulevons le point lors de nos rencontres avec le ministre de l'Éducation et les différents bureaux de santé sur notre frustration par rapport aux différentes approches empruntées par les bureaux de santé qui mettent l'administration, qui mettent les conseillers scolaires des fois dans des positions qui sont délicates à tenter d'expliquer, de défendre certaines positions. Et le ministre de l'Éducation a bien pris en note nos préoccupations, mais nous n'avons pas d'autres réponses concrètes en ce moment. Donc, c'est le résultat des suivis en lien avec le port du masque. Et dès que j'aurai des nouvelles, soit du bureau de santé provincial et ou de notre collègue au ministère de l'Éducation, je vous reviendrai avec la réponse. Merci, M. Blais. Est-ce qu'il y avait des commentaires? Questions? Peut-être une question par rapport à...
Oui, qui est un petit peu en lien avec ça. Alors, dans nos écoles présentement, j'imagine qu'on a eu des cas. Est-ce que si ces cas-là, est-ce que c'était des jeunes, est-ce qu'on peut savoir à peu près les âges? Est-ce que c'était des plus petits, des plus vieux, au secondaire, élémentaire? Je n'ai pas tous les détails du cas aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à York, c'était des jeunes de l'intermédiaire et du supérieur, et dans l'autre école, c'était une employée. OK. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres? J'ai juste pour ajouter, conseillère Dufou, pendant notre rencontre, on avait demandé des statistiques plus spécifiques. Quand il y avait seulement 101 à travers la province pour des cas positifs entre les âges de 19 ans et moins, on a demandé des précisions que Dr. Williams a retournées. Donc, il y avait à travers la province entre les âges de 4 à 8 ans, c'était 16 jeunes. Entre les âges de 9 et 13, il y avait 24 cas. Et entre les âges de 14 à 17 ans, il y avait 17 cas. Donc, ça, c'était à travers la province. Ça, c'était lundi matin. Donc, on a demandé d'avoir ce genre de renseignements chaque semaine aussi. Excellent. J'apprécie. Merci. Merci. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Monsieur Blair. Toujours dans la question diverse, là, puis je ne veux pas m'éterniser, mais je tenais quand même à remercier mon équipe, l'équipe du CA, pour un travail exceptionnel. Ce sont des longues journées, ça a été un été court. C'est des longues semaines pour assurer qu'on puisse répondre aux besoins de tout le monde, qu'ils soient en présentiel ou en virtuel. Beaucoup de coaching, d'appui auprès de nos directions d'école, donc c'est et des équipes administratives également. C'est un travail exceptionnel qui est fait sur une base quotidienne, puis je tiens à les remercier publiquement. Merci et bienvenue, Gina. Bienvenue encore une fois, Diane. Un plaisir comme toujours. Merci pour votre temps et énergie aussi. Donc, je ne vois pas d'autres commentaires. C'est avec plaisir que le lever de la réunion ordinaire du conseil soit à 20h58. Je vous remercie. Je vais demander à Chantal de fermer l'enregistrement de notre rencontre. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. 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 Bye. Bonsoir.